Keeney goes near post. What a connection! What a wonderful finish! Salut à tous, MLS sur Arbrunstein numéro 7 les gars, 7, je vais y arriver, merci d'être là du coup. On va faire une émission un peu spéciale, l'intersaison. On a eu cette idée en préparant l'émission de faire un petit peu un tour d'horizon de déclassement à mi-saison. Donc on est à peu près, c'est ça la mi-saison les gars? Ça va arriver. On est à l'AFC, tout le monde a joué 17 matchs je crois. Il y a peut-être une équipe ou deux qui n'a pas fait 17 matchs, mais tout le monde les a fait quasiment. Très bien. Donc du coup, on va voir équipe par équipe et puis après, on va vraiment en freestyle un petit peu dériver sur, sur le haut du classement. Donc on fait dernier de conférence Est, dernier de conférence Ouest et on monte comme ça en qualité et en gamme. Les gens sont obligés de rester jusqu'à la fin pour voir les meilleures équipes. Donc comme ça, c'est parfait. Les joueurs qu'il faut prendre dans chaque équipe. C'est ça. Et oui, et on va parler exactement, on va parler des joueurs, peut-être les surprises. Est-ce que l'équipe, on pense qu'elle va play-off ou pas? Quel est le joueur qu'on achèterait si on avait le budget illimité. Voilà, donc on va aussi donner des noms de joueurs, on va parler un petit peu de tout ça, comme ça a été demandé. Et je crois qu'il y a eu quelques questions sur Twitter, je ne sais pas si vous les avez notées les gars, les questions sur Twitter. J'ai oublié de les noter, moi, du coup, on ira voir. Je sais que Propitech a posé une question, j'en ai vu une autre aussi, donc voilà. Donc sans perdre plus de temps les gars, à qui je passe la patate chaude pour l'Inter Miami? Qui est-ce qui veut commencer avec le dernier de la conférence Est du coup, le 15e? Thibaut, c'est parti, on t'écoute du coup. Alors, le meilleur joueur de cette saison pour Miami, Lionel Messi. Même s'il n'a pas encore porté le maillot, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison. Voilà. Ah ouais, tu penses? Non, enfin, franchement, Drake Callender, pour moi. Ah ouais? Il était vraiment top, ouais. Franchement, Drake Callender, c'est un gardien que je trouve sous-coté. Depuis qu'il a pris la place de titulaire en milieu de saison dernière, je le trouve vraiment très, très fort. Donc, voilà, beaucoup de mouvements à Miami. Franchement, on ne sait quasiment pas l'équipe qu'on aura le 31 juillet. Ça peut aller tellement vite qu'en 2 mois... Tu peux avoir 5-6 joueurs bazardés et 5-6 nouveaux joueurs, 3 nouveaux DP. Tu as déjà Messi. On sait qu'ils vont bazarder Pizarro, sûrement une rupture de contrat. Campana. J'ai lu que Campana devait partir. Donc, Miami, aujourd'hui, c'est quasiment presque un nouveau 11 qui peut arriver dans 2 mois. C'est fantastique ce qu'on peut vivre. Et ils sont derniers, mais pas si loin des playoffs. Je le répète toutes les 2 semaines, etc. Je suis peut-être le clown, mais ils ne sont pas si loin des playoffs. Messi, il arrive quand les gars? Bon, je pense qu'il jouera pas avant la League Cup à mon avis. Là, il va prendre des vacances. C'est juillet, août, League Cup, non? Ouais, je pense que d'ici début août, on le verra quasiment pas. Enfin, il va avoir les vacances, la remise en forme. Je pense qu'on le verra début août. Ok, parce que moi, je pensais qu'il partait en vacances à Miami directement. Ouais, mais tu sais, après, le temps de se réattirer. Ouais, c'est compliqué de savoir. Avec Neymar et tout. Ouais. Peut-être Neymar, j'y crois pas, mais on verra. Nickel, les gars. En gros, on s'attend à un gros recrutement. Il y a quand même Joseph Martinez qui peut bien revenir, non, Emilien? Ouais, tout va dépendre du coach. Si c'est Tata Martino avec qui il était en feu à Atlanta, ça peut faire une bonne mixture avec Messi. On entend, tu vois, Busquets, tout ça. Enfin, en vrai, Miami, comme dit Thibaut, on n'a aucune idée de ce que ça va être dans un mois. Je veux dire, je pense qu'ils vont faire comme Toronto l'année dernière, c'est-à-dire recruter du lourd sur l'intersaison. Mais après, ce que ça va prendre, on verra. C'est vraiment l'énigme de fin de saison. Thibaut, play-off. Play-off pour moi. Ah oui, play-off pour toi? Prends la grosse cote. Pas de play-off pour moi. Moi non plus, je pense pas, mais ça me paraît compliqué. Ils auront beaucoup de retard à l'arrivée de Messi, je pense. Ouais, et le temps que ça démarre et tout... Donc, très bien. Si on ne sort pas de joueur, allez vite fait, tant qu'on est dessus. Mais je croyais que c'était Tata Martino, que c'était acté, mais... Calendar, Fab. Calendar, Emilien, t'as pas dit Inter Miami. Je suis assez d'accord avec Thibaut. Pour moi, c'est le seul qui tient son rôle à fond cette saison. Léo Campana, j'aime bien, mais bon, il a un avenir, on va dire, incertain, et c'est quand même irrité. Ah, moi, j'aime bien, tu vois, Joseph Martinez. J'espère qu'il va revenir, quoi. Bien sûr. On verra bien. Mais pour la cape, ça peut être un bon pic. S'il se met à marquer en dehors de mettre des pénaltys.
Ouais. Mais bon, au moins, il les tire. Bon, allez. Les gars, Colorado, 14e. Qui veut en parler de l'équipe? Ouais, Thibaut. Non, on perd pas de temps sur Colorado. Je prononce pas, franchement. C'est une équipe. Moi, je sais pas. J'ai regardé leur match ce week-end. Il n'y a vraiment rien. C'est. D'ailleurs, il n'y a rien à dire. Moi, il y a un joueur que j'aime bien depuis des années, c'est Cole Bassett, au milieu de terrain. C'est le seul joueur que j'aime bien. Mais c'est très irrégulier, Colorado. Il n'y a aucun joueur. Il n'y a même pas de reconstruction parce qu'ils n'ont pas tant de jeunes que ça. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de paris cet hiver, notamment Cabral. Il n'y a rien qui match vraiment. Donc, non, c'est une saison à oublier, je pense, pour Colorado. Et à mon avis, ça va continuer à perdre jusqu'à la fin de la saison. Et moi, je pense qu'ils seront même derniers de l'Ouest en fin de saison. L'absence de Diego Rubio fait mal aussi. Ouais, c'est ça, c'est le joueur qui tenait l'équipe l'année dernière. Et quand tu l'as pas, c'est compliqué. J'aime ça bien, moi, le petit Barrios. Moi. C'est possible, Barrios. C'est un joueur un peu incourvite. Ah, j'aime bien sur 10 minutes, quoi. Ouais, j'aime bien, il est teigneux, quoi. Moi, c'est ce que j'aime bien, il est teigneux. Ouais. C'est un Latif blessing en moins bon. J'aime bien les mecs qui ont mais je pense que Barrios, c'est un bon joueur en sortie de banc dans une bonne équipe. Mais avoir un Barrios dans une équipe qui fait que perdre, je vois pas trop l'intérêt. Quoi. Tu vois, c'est un joueur qui pourrait rester une équipe de haut de tableau, je pense, Barrios, pour être un joueur de banc pas très cher. Qui rentre, ah, qui comme DC a fait venir Daromé de Vancouver. Mm. Et tu vois, c'est le profil un peu comme ça. Sortie de banc, slasher. Mm. Bon, nickel, les gars. On passe au 14e à l'Est. Difficile aussi. C'est Chicago. Alors, moi, je ne suis pas du tout. J'ai juste vu le but de Shaqiri ce week-end. L'homme le plus cher de MLS. Celui qui s'est réveillé. Le salaire, non ? Oui, oui. 8 millions et quelques, ouais. Après, Chicago, c'est une équipe, il n'y a pas de jeu. Enfin, tu ne verras pas du grand football. Je ne sais pas trop où ils vont. Ils n'ont toujours pas nommé de nouveau coach. Hein. Je crois que c'est toujours l'assistant. Non. Ah ouais ? Ouais, ça fait partie de ces équipes où tu sais pas du tout où est-ce qu'ils vont, dans quelle direction, la politique sportive, tout ça. Je rejoins Emilien depuis 4 saisons. Chicago, tu sais pas où est-ce qu'ils vont, en fait. Ils changent d'équipe, ils changent de joueurs, ils font des transferts, mais il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas de joueurs sur lequel ils s'appuient pendant plusieurs saisons. Voilà, moi, je ne serais même pas sortir vraiment un joueur de Chicago. Ils vendent des jeunes, ils en rachètent un petit peu, mais il n'y a rien pour moi de vraiment intéressant. Johan Duran l'année dernière qui explose, qui est vendu, et derrière tu recrutes pas grand chose, tu prends Shaqiri très 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 cher, mais tu n'as pas les joueurs derrière pour l'accompagner. Donc ça sert à quoi d'avoir un joueur à 8 millions d'euros pour derrière finir 14e et avoir aucun fond de jeu? Donc voilà, Chicago, moi je suis assez déçu. Le seul joueur qui me plaît vraiment et que j'adore, c'est Carlos Terán, le défenseur central, qui est blessé en ce moment, et je trouve qu'il a un joli, joli potentiel. Il est un peu fragile, c'est dommage. Un peu fragile, ouais, mais physiquement, ouais, c'est un top joueur, je trouve. Très bien. Rien à rajouter, Emilien, là, sur. Ouais. Allez, ah, si, en U23, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est Brian Gutierrez. Voilà. Moi, c'est Chris Brady que j'aime bien, mais il n'est vraiment pas aidé par les joueurs qu'il a devant lui. Quoi. Il ne peut pas faire des miracles à tous les matchs. Et Chris Brady, je ne sais même pas, vu Chicago, je me dis, s'il y a une offre d'Europe un peu intéressante, il part. Hein. Vu ce que Chicago fait, tu vois. C'est pas la même dynamique que quand il y avait Gagas, Lonina. Non, même pas. Là, c'est vraiment plus solide. Et ouais, je pense que là, comme tu dis, Shaqiri doit leur coûter un bras. T'imagines, 8 millions. Mais pour rien faire. Il se met à marquer un petit peu, faire des assists, mais c'est pas suffisant, quoi. Puis c'est Shaqiri, je veux dire, à un moment, enfin, il était sub en Europe. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, mais c'était un sub. Je comprends pas qu'on mette 8 millions. Mmh. Sur un joueur comme ça, enfin, c'est hallucinant. Ça ne sert à rien, vraiment. C'est l'argent jeté par les fenêtres. Nickel, bon, parfait. Pour terminer sur Chicago, du coup, je pense que ça représente bien le truc. LA Galaxy, on a cru un moment qu'ils allaient revenir quand même, et puis ils sont replongés, quoi. Ah, pendant 2 matchs, je crois, on y a cru. J'ai vu leur match hier. Franchement, je pense que c'était un des matchs les plus. Peut-être avait, je sais pas, New York, il y a eu 0-0, mais il y a l'air d'y avoir eu un peu d'action. Hier, qu'est-ce que c'était triste. Le niveau était vraiment pas terrible du tout. Et même Saint-Louis, qui se fait accrocher par LA Galaxy, c'est quand même. Faut y aller, hein, parce que franchement, LA Galaxy, il n'y a vraiment aucun fond de jeu, aucune vie, aucune âme. En fait, c'est une addition de 11 joueurs, et c'est tout. Ouais, c'est dommage. Pourtant, il y a des bonnes individualités, hein, dans le tas. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, Fab. Je pense qu'il faut reconstruire cette équipe.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de mauvais contrats. Il y a des joueurs qui sont plus motivés. Je pense qu'il faut reconstruire. Et voilà, le joueur, c'est Ricky Puig. Il faut le faire rester, pour moi. Oui, je parle de Ricky Puig et Bergman, moi. Je parle des juste des deux. Derrière, il faut reconstruire sur ça, faire jouer un petit peu les jeunes. On sait que Charito s'est fait les croisés. Voilà, il faut repartir sur une nouvelle base. Jovetović, du coup. Jovetović, que j'aime bien, mais voilà, on sent que quand il est titulaire indiscutable, il a du mal à enchaîner les buts quand même. Donc, moi, je pense un peu comme Miami. Je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de départs et d'arrivées au Galaxy, qui essaient vraiment de reconstruire. Quand tu vois hier un gars comme Efraín Álvarez qui rentre, comme je l'ai tweeté, mais le mec... Oui, j'ai vu le tweet. Lui, il rejoint la team barbecue, hein, mon Fab. Ouais, large, large. Et comment tu peux avoir un joueur comme ça dans ton roster alors que tu es à la peine comme ça, il n'est pas prêt physiquement. Enfin, à un moment, je ne sais pas, c'est compliqué, mais... Leur coach a un totem d'immunité. Alors ça, faut m'expliquer, Vanet. Il est encore là. Il n'a pas l'air en danger tant que ça. Ça ne devrait pas durer, je pense, quand même. Ouais, je pense que oui. Mais bon, il est encore là. Très bien, les gars. Ouais, un joueur à sortir, du coup, c'est Ricky Puig. Et Brugman. Brugman qui est plutôt méta, hein, quand même. Ouais, c'est... Ben, il est méta. Et il est... Et le petit latéral. Comment il s'appelle, le jeune latéral qu'ils ont Caligari. Caligari, j'aime bien ce joueur. Mmh. Ouais, c'est jeune, mais pour moi, il faut ces jeunes-là. Pour moi, il faut repartir sur cette nouvelle dynamique, quitte à briser cette saison. Mais en tout cas, si vous voulez une équipe sûre, ne misez pas sur ce joueur du Galaxy. Pour moi, ça peut beaucoup, beaucoup tourner. Tu vas avoir des grosses surprises dans le 11 dans les mois à venir, si la saison est totalement lâchée. Et surtout pas sur leur gardien, je vous le déconseille, Jonathan Bond. Ouais. Ah oui. Il a été mauvais là ce week-end. Je suis pas un très grand fan de Klinsmann non plus derrière. C'est pour ça. Les gardiens là-bas, ces scores sont rares, sont pas dégueux des fois à Bond, mais Irréel, c'est vraiment pas un très bon gardien. Très bien, les gars. On passe à New York City, qui pourtant, on les avait bien vus au début d'année. 13e de la conférence Est. Je vous le dis, moi, après, comme ça, je vous laisse développer, du coup, mais mon joueur, moi, à New York, que j'aime beaucoup même, c'est Santiago Rodriguez, qui je trouve est très très bon. Ouais, je pense qu'après c'est celui qui ressort de New York. Je sais même pas si c'est pas lui qui tire les corners, etc. Donc c'est choix facile, tu vas me dire, mais pour l'avoir vu jouer deux fois, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait du talent, comme j'aime bien Santiago Moreno, etc. Qui veut développer sur New York, les gars? J'ai une seule question à poser sur New York, c'est combien est-ce qu'ils auraient de points s'il y avait un vrai neuf dans cette équipe? J'ai l'impression que vraiment ils ont perdu un nombre de points parce qu'ils n'ont pas ce neuf. Et des jeunes un peu moins motivés, un peu, et je pense qu'Emilien le dit mieux que moi, c'est que tu as des jeunes qui ont pensé qu'ils allaient en Europe un petit peu trop tôt et qui ont peut-être un petit peu relâché un peu vite. Et ça se ressent. Donc, une équipe en reconstruction qui a perdu beaucoup, beaucoup de monde l'hiver dernier. Donc, je suis un peu comme le Galaxy, je serais pas étonné qu'il y ait pas mal d'arrivées du côté de New York, de New York City. Et Tati Castellano, il fait quoi? J'ai vu qu'il ne rejouait pas, Tati Castellanos. Il y a eu une rumeur comme quoi il négociait son transfert en Europe, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Par contre, j'ai vu qu'ils étaient sur un joueur New York où le RC lançait dessus, un attaquant. Je l'ai retweeté tout à l'heure, lançait dessus aussi. De toute façon, comme tu dis, New York, il leur faut absolument un attaquant parce que là, c'est même avec Thales Magno, on a vu que ça ne fait pas l'affaire. D'ailleurs, lui, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi il sur le banc. Et ça fait un mois où on nous dit qu'il n'est pas prêt à rejouer, mais il est sur le banc. Donc. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Ils ont perdu Thiago Martins, qui s'est fait une blessure au genou, une sorte d'entorse, je pense. Je n'avais même pas vu, quoi. Défensivement, ils n'ont plus que Chano, vraiment, qui tient la route. Donc, ouais, non, c'est assez compliqué niveau effectif. Il n'y a pas trop de profondeur. Ah, si vous devez sortir un joueur, quand même. Qualité-prix, tu l'as dit. Moi, j'aime bien Max Chano. Franchement, je trouve que qualité-prix, Chano, c'est titulaire indiscutable. Mais tu sais, quoi qu'il arrive, il sera encore titulaire là, toute la saison. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment pas cher pour ce qu'il apporte, Maxime, le Luxembourgeois. Et ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il est international Luxembourg. Ouais. C'est ça. Hein. Et quand tu vois les notes qu'il fait avec le Luxembourg, c'est que des 5, des scores rouges, ce qui explose son L15, du coup. Et alors qu'à New York, c'est pas mal. Hein. Il fait souvent plus de 50, quoi. Donc ça peut être un bon joueur de cap, lui. Hein. Ah oui, totalement. Sauf au Luxembourg. Ouais. Du coup. Donc on est ok sur New York. Ouais, on est ok, on passe pas à la suite. Pas de playoff pour New York, moi non plus. Pas de playoff.
Tu couperas. À tout moment, il se met à pleuvoir chez moi. Oui, c'est vrai. Je dois rentrer. Je te jure. À tout moment, il se met à pleuvoir. Bah, à tout moment, quand on va parler d'Atlanta, hop. Allez, Atlanta, ça va, il y a le temps, les gars. Oui, il y a le temps, ouais. Je passe direct la parole à Thibaut pour Real Salt Lake. Voilà. Bonsoir les gars. Bonne soirée à vous. Merci pour cette épisode. T'as oublié Austin. T'as zappé Austin. Ah oui, exact, j'ai zappé Austin. Ah ouais, mais tant mieux, tant mieux que je les ai zappés pour avoir ce moment d'anthologie là. Austin, voilà. Bon, on passe à Salt Lake du coup, c'est bon? Ouais, aussi, non, je rigole. Austin, moi, je l'ai mis en playoff. Voilà. Ouais, je sais que ça continue, je sais qu'il n'y a rien qui se passe, etc. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé. Mais franchement, je l'ai mis quand même en playoff. Moi, je crois vraiment en Sébastien Drie aussi. Je pense vraiment que c'est quasiment un des top 3 pour moi des joueurs MLS. Je crois au retour de Fagundes. Je crois en Zardes, en joueur qui peut marquer 10 buts. Même en tong. Défensivement, j'aime bien Julio Cascante, j'aime bien Stouver, j'aime bien le petit Pereira. Il y a des pièces à Austin. Pour moi, ça ne marche pas, mais je trouve que l'équilibre de l'équipe est plutôt bien fait. Tu vois que les joueurs, ils sont impactés. Hein. Driussi a encore posté un message sur Instagram en s'excusant, tout ça. Donc, je pense qu'ils sont quand même impactés par la situation et ils veulent que ça change. Mais bon, il faut qu'ils retrouvent une dynamique. Regardez ce qu'il y a ici. Est-ce qu'ici on va l'aborder après, mais regarde, il y a encore 3 semaines, on disait il n'y a rien du tout. Non, ils ont fait moi j'ai dit que ça allait revenir. Quand on avait eu le débat avec Thibaut, Austin, j'avais dit Kansa, je vais voir revenir. Toi, tu vois revenir Austin, mais j'attends toujours hein, du coup. Austin sera devant Kansas en fin de saison. Oh. Jamais de la vie, jamais de la vie. On reprendra cet extrait, il faut clipper cet extrait de vidéo. Jamais de la vie, non. Pour moi, parce que Kansas, ils sont partis pour, voilà, pour continuer là. Les gars, Toronto 12e de la conférence S, donc on commence à se rapprocher des places pour les playoffs. Toronto qui, ils ont gagné un partout là, avec un joli but d'Insigne, je crois, ce week-end. Est-ce qu'un de vous veut en parler de cette équipe à Mr. Bradley, père et fils? Enfin, le fils n'est plus là, du coup. C'est, comme fait Thibaut, hein, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. C'est les montagnes russes depuis un an, depuis leur super recrutement d'été. Ils ont vendu un peu du rêve à tout le monde et mais j'y croyais toujours, moi. Chez Johnson, il se met à faire des boulettes. Tu vois, ce week-end, la faute de main grossière qu'il fait. Enfin, on est un an après, hein, tu l'as dit, hein, c'est impressionnant. Un an, ils sont. Est-ce que cette équipe s'est vraiment améliorée? Non. Parce que depuis qu'ils ont changé de coach avec Bradley, est-ce qu'il y a un fond de jeu intéressant? Non. Donc voilà, ils vivent sur des exploits. Mais pour moi, ça fait pas une bonne équipe. Donc franchement, sur Sora, il y a des. Bon joueur à prendre, je pense. Si tu as de l'argent illimité, Intini, moi, je le prends. Bernadeschi, je le tente. Je pense encore que Sean Johnson est un bon gardien. Il y a des bons joueurs partout. Hein. Marc-Antoine Kay, Richie Larea, Osorio qui va peut-être revenir de blessure, qui est un bon joueur. Ils ont plein de bons joueurs pour Sora. Mais cette équipe, pour moi, elle n'est pas construite en tant qu'équipe, elle est construite en tant qu'individualité. Comme je disais, Emilien, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et malheureusement, ça ne fait pas 11 à la fin. Super bien résumé. Ouais, Emilien. Ça playoff pas pour moi, Toronto. Je les vois passer encore à côté cette saison. Pour moi, ils vont aller en playoff. Ouais, pour moi aussi. Allez, parce qu'ils sont pas loin. De justesse. Ouais, ils sont à 3 points, mais. Ouais, ils sont à 3 points. Puis t'as DC United devant, donc t'as déjà une place qui. Voilà. Foiré. Ah, genre, je vais te mettre des grosses lunettes au montage. Et du coup, on passe vraiment cette fois à Salt Lake. Donc c'est pour toi, Emilien. Ouais, allez, Salt Lake. Non, Salt Lake, attention. Qui vient de recruter Chicho Arango, le meilleur joueur de LAFC la saison passée. Je ne comprends pas ce que ce mec fait à Salt Lake. À Salt Lake, surtout la ville de Salt Lake City, qui est une des pires villes des États-Unis. Franchement, il va chez les Mormons là, dans les montagnes. Non, mais en vérité, je comprends pas le choix. Alors après, si Salt Lake arrive à garder Savarino, qui est pourtant est convoité à Fortaleza ou je sais trop au Brésil, franchement, tu as une attaque Savarino, Chicho Arango, tu peux faire très très mal. Mais je comprends pas en fait. Arango aura fait 3 clubs en moins d'un an, alors qu'il a performé à LAFC, il a performé à Pachuca là, ou Pachuca les Maracas là, ou je sais pas trop quoi. Et là, enfin bref, c'est compliqué quoi. Il a eu une période difficile, je crois, non, au Mexique.
Au début, Bah, ouais. il a pas trop joué. Hein. Bon, les gars, faut que je rentre là. Il y a Je vais rentrer. Oh, les gars, on coupe le temps de prendre la météo en pleine face. On reprend. Courez. Franchement, non, faut que je laisse ça, la vidéo, ça. Faut que je laisse ça à l'enregistrement. C'est authentique comme notre émission, tu vois. Ah non, mais là, laisse tomber. J'ai vu 3-4 éclairs, j'ai dit stop. Non, c'est bon. On va voir. Et Salt Lake, ouais, du coup, voilà. C'est tout aussi. Tu voulais dire un truc, Thibaut, sur Salt Lake? Et moi, j'ai un joueur qui est à la fois élégant et devenu. C'est Pablo Ruiz, l'Argentin. Eh bien, tu vois, j'allais sortir ce nom-là, moi. C'est un joueur que je ressors. Sur ce soir, c'est pas toujours excellent au niveau des scores, mais je pense que c'est un joueur qui a un joli potentiel, qui a encore un petit peu à polir, mais qui peut marquer des buts, qui récupère pas mal de ballons, qui fait des bonnes passes. Voilà, c'est un joueur bien complet de milieu de terrain, que moi, j'aime beaucoup. Bon, mais nickel. Et on va passer à New York. J'attends juste qu'Emilien se cale tranquillement, qu'on puisse parler de son équipe préférée, de votre équipe préférée, messieurs, dames. New Alors, York c'est bon. Bulls. Putain. Voilà, parfait. Oh la vache. Meilleur joueur des Red Bulls sur la première partie de saison, je pense que c'est l'infirmière. Il n'y a pas eu mieux qu'elle dans cette équipe. Hein. Mais moi, je les garde en playoff, les Red Bulls, parce qu'il y a beaucoup de retours. Désolé, je ne sais pas si on peut en parler, mais moi, je crois toujours à Van Zier dans cette équipe. Allez, go. J'aime beaucoup Lewis Morgan, ou Kimias aussi qui revient. Position de 9 n'est pas encore totalement faite, mais ce sera sûrement Van Zier. Ils gardent une bonne défense, donc les Red Bulls, ça peut aller en playoff. Et c'est une équipe toujours dure à jouer. Et ne mettez pas vos joueurs contre les Red Bulls. Là, ils ont une défense, hein, ils ont des joueurs à Sean Ellis, Dylan Ellis, même Coronel qui fait des fois des bourdes, est quand même un bon shot stopper. Donc, pas facile les Red Bulls à pronostiquer, mais c'est un poil à gratter depuis des années. Ça va le rester pour la fin de saison, je pense. J'allais te dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe poil à gratter, mais tu m'as devancé, tu vois. Emilia, est-ce que tu veux rajouter un truc sur New York Red Bulls? Je vais rester sympa, mais en vérité, non, c'est pas une équipe qui me fait beaucoup rêver, quoi. Ça m'inspire pas beaucoup. Tu cliques pas sur les Red Bulls, hein, c'est ça? Non, je clique pas, je les vois. Après, comme tu dis, c'est une équipe qui est tellement pénible. C'est une équipe qui est tellement pénible que je pense qu'ils sont capables d'aller en playoff. Et parce qu'ils vont embêter du monde à domicile, ils sont tout le temps compliqués à manœuvrer. Il suffit que Van Zier ils se mettent à marquer. Non, franchement, c'est une équipe qui peut aller en playoff parce qu'ils sont bien en place. Mais par contre, dans le jeu, c'est sûr que tu vas jamais te régaler en les regardant jouer. Très bien. Et question sans rare, après, je sais pas, oui. Vous avez un joueur que vous sortiriez de là-bas? Tolkien, non, Caceres en ce moment. Ouais, Tolkien, à part Tolkien. Caceres, il est pas mauvais en ce moment, il enchaîne. Hein, sur Lewis, Lewis Morgan. Il n'est pas trop méta, Lewis Morgan, quand même. Hein. Il faut qu'il fasse du DS. Il est revenu de blessure, ouais. Lui. Il revient de blessure. Donc, il n'est pas très cher. Il a 0, je pense. Donc, Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Luquinhas. Je suis dégoûté qu'il ne soit pas méta. Non. Ah, c'est ça aussi. Ouais. Je l'ai pourtant, mais c'est compliqué. Ouais. Ouais, j'aime bien ce joueur, mais pas méta du tout. Et regardez, les gars, Caceres, vous allez voir son SO5, là, sur son L5, je crois, est très cool. Ouais, L5, après, on s'en fout un peu. Derrière, on passe à Minnesota. Putain, c'est difficile, les gars. Ceux qui sont arrivés jusqu'à là de l'émission, déjà, ils se sont tapés les... Ouais, c'est que moi, je ne suis pas fan de Minnesota. Et c'est vrai que je crois que je n'ai pas regardé un seul match de Minnesota depuis le début de l'année, de la saison. Ils sont fait exploser ce week-end, mais Minnesota, c'est un peu la même équipe que les Red Bulls dans l'autre conférence, en fait. Une équipe dure à jouer, mais... qui n'encaisse pas beaucoup. Ils ont pris une rouste, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais Emmanuel Reynoso. Voilà, j'allais dire. Mais belle rentrée d'ailleurs. C'est le très gros mais de cette équipe. Et c'est lui, de toute façon, qui fait tout depuis des saisons à Minnesota et qui est capable de les qualifier à lui seul pour les playoffs. Là, ils ont Amaria qui s'en va en plus. Donc, ça veut dire qu'ils libèrent un slot DP. Ça veut dire qu'ils vont récupérer Timo Pukki, je pense. Ça a l'air plutôt ficelé vu les rumeurs. Reynoso qui alimente Pukki, ouais, je pense que ça peut être intéressant quand même sur la deuxième partie de saison. Dommage qu'ils aient perdu Lod, je sais pas combien de temps il est blessé. Toute la saison, croisé. Ouais, donc, ouais. Ah, c'est les croisés qu'il a, putain, merde, j'avais pas capté que c'était les croisés. Ah, j'avais donc, pas vu non plus. Plutôt bien, Amaria ça fonctionnait pas, Pukki ça peut être que mieux.
Mais Reynoso, voilà, moi je ne sais pas comment analyser ce joueur. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut revenir. Je ne sais même pas s'il passera l'été vraiment, tu vois. Moi, je pense qu'ils le font jouer peut-être pour le vendre. Ouais, je pense aussi. À voir. Je ne serais pas étonné qu'il signe en Argentine dans un club moyen. Et Mais par il a fait contre, une bonne rentrée là, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était plutôt correct. Ouais, il a apporté du danger, mais bon, après, ouais, ils se sont fait exploser. Et moi, j'ai un joueur à sortir là-bas. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Michael Boxall. Oui, Ouais. exact, on en parlait tout à l'heure. Le Bon. néo-zélandais. C'est pareil, encore Et une. irréel, c'est vraiment un bon joueur. Saison C'est après prêté tous les saison. services. Très top C'est pour la vrai. CAP 240, tu aussi, non? Oui. Moi, je l'ai. Il est un peu haut là. Il est encore à 57 de L15. Ah oui, quand Mais même. ouais, non, mais c'est vraiment. Même en. Je l'ai vu ce week-end à un bout de. Les bouts de résumé. Il tient la barre vraiment derrière. C'est heureusement qu'ils l'ont. Nickel. On est OK sur Minnesota, les gars? Allez, go. On peut passer. Playoff. Ouais, playoff Minnesota? Moi, Ouais, je suis moi assez je dis d'accord. pas playoff, moi, allez. Ah. Juste pour faire yesh un peu. Parce qu'il y a Austin qui revient derrière, il y a Portland devant, Kansas, Houston, Vancouver. Moi, pour moi, Donc ça reste ça, deux. Houston, il faut être sérieux dans cette émission un minimum quand même. Un peu de Charlotte. respect pour nos auditeurs. Charlotte qui est une super équipe, qui mériterait d'être Ah. numéro un, non, du coup. Moi, j'ai des choses à dire sur eux. Pour moi, c'est l'équipe typique qui fait bander les Ricains. C'est une Charlotte, équipe, là, ouais. ah ouais, à domicile, il y a tout le temps du spectacle. Ils sont hier, encore ce week-end, tout le temps ils sont menés, ils retournent le score et ça fait, il y a des buts, c'est la folie. Leur stade, c'est une folie. Les joueurs, ils sont transcendés, ils sont tout le temps menés, mais ils arrivent tout le temps à accrocher et tout. C'est vraiment une équipe qui, comme les Ricains, ils kiffent. Mais c'est une équipe qui est bah, quand même poil à gratter, je trouve, comme dirait Thibault. Ah, le Plutôt, joueur. plutôt offensivement. Ah ouais, offensivement, ouais. Ouais, défensivement, c'est. Bah, ils Des... récupèrent Corujo. Attends, ils vont récupérer Corujo. Corujo, ça va être important. Ouais. Donc ça va leur faire du bien. Mais je pense qu'il ah, ça va être juste, ça va se battre avec les équipes de bas de playoff. Ouais, Mais ils peuvent c'est bas de accrocher. Hein. playoff aussi. Je pense qu'ils vont peut-être y aller, mais moi, je ne les mettrai pas. Et moi, j'ai un facteur X, c'est Enzo Copetti. Je Oh, pense que il est si blessé là. Copetti trouve le chemin des buts. Il peut les guider. Il leur manque vraiment ça. C'est dommage, Donc, hein, Copetti, moi, il me déçoit. Hein. C'est un des joueurs qui me déçoit le plus depuis son arrivée en MLS. Hein. moi aussi, c'est pour ça que je dis Factor X, en fait, Ouais. s'il retrouve un bon Copetti, à mon avis, il peut les guider. C'est peut-être ce qui leur manque pour passer, tu vois, ces matchs nuls où ils n'arrivent pas à gagner. Tu vois, de passer de 3-3 à 4-3. C'est Et ça, c'est ça. Copetti qui peut le faire. Et il est blessé en ce moment, Copetti, non? Il Ouais. revient quand, on ne sait pas. Rapidement, je crois, dans le Une mois. petite élongation, ouais. C'était pas grand chose. Ouais, je pense que l'homme de l'équipe, on peut dire que c'est Swiderski. Aussi, l'homme de Josviak aussi. Charlotte. Hein. Ouais, t'as Ouais, vu le Swiderski. Josviak? Ouais, Swiderski, ce qu'il fait à Yémar ce week-end, c'est incroyable hein, sur le but. Le 3-3 contrôle contre en Seattle, ouais. extension. Après, je pense qu'il le retente 10 fois, il le rate 9 fois. Il y en a, j'ai quand même. C'est là où, bon, petit aparté, la culture des Américains, j'ai vu un nombre de suiveurs mettre. Yémar, comment il se fait enrhumer par Zviderski. Mais Zviderski, il fait ce geste-là une fois sur 10. C'est là où tu te dis, quand même, les gars, abusez pas. Ouais. Abusez pas, Yémar, il tient la baraque à Seattle. Soyez lucides quand même. Ouais, on a les mêmes après en France sur certaines chaînes. À Mais fond. et juste pour parler de ce joli geste, on a eu des buts fantastiques ce week-end. Hein. Je vous les aurais mis en Ouais. intro. Oui. En intro, je vais mettre celui d'Acosta. C'est vrai que c'est lequel que tu as préféré, Thibaut, avec Emilien. On a préféré celui d'Acosta, nous, Ah, à celui de Zela Ryan. je pense que c'est le plus beau, celui d'Acosta, celui de Zellarian. En fait, moi, je ne suis pas un très grand fan des buts du milieu de terrain, en fait. On est tous Je pareils, quoi, en pense fait. que Ouais. Acosta, vraiment, c'est magnifique. C'est Mauvais sur pied. Hein. Takaoka en plus. Donc voilà. Il y a ce côté. C'est un but romantique, moi, je trouve, le celui de but d'Acosta. Et quand tu aimes vraiment le foot, c'est un but extraordinaire. Et Acosta qui revient bien. Hein. Il était sur le banc, il marque encore. Hein. Là, Ouais, s'il oubliait parce il est qu'il rentré a dernière enchaîné. demi-heure. Ouais. Il a enchaîné pas mal, ouais. Charlotte, très bien, qui porte des playoffs. Et donc, on rentre dans les playoffs, les gars. Avec Kansas, du coup, qui ressort la tête de l'eau. Moi, si je devais en sortir un, c'est Saloy, mais après, c'est perso. Et je pense que Russell, c'est celui qui fera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plus de bien. Kansas, c'est bon, il n'y a pas Ben Code, donc ça va être un de vous deux qui veut développer sur Kansas, les gars. Bah, ils nous font comme la saison dernière.
un début de saison pourri, et là il se réveille, le rouleau compresseur est en marche. Tu les vois continuer alors? Ah ouais, Et carrément. Pulido, vous en pensez quoi là, doublé? Ouais, est-ce qu'il va rester cet été ou pas? Ils vont le lâcher, je pense. Il est à Je la pense. fin de son contrat, ils ont intérêt à le lâcher, à mon avis. Je pense qu'ils en veulent peut-être un petit peu trop, mais ils ont intérêt à le lâcher. Pour moi, quand ça, c'est à la lutte pour les playoffs, à mon avis, ils ne vont pas y aller. Moi, je suis pas convaincu par cette équipe depuis le début, je le dis. Vermes, les choix, ça va se payer au bout d'un moment. Ok, ils sont sur une bonne série, je l'entends. Mais je ne sais pas quel est le MVP de cette équipe, le go-to guy. Donc, Saloy, je suis d'accord avec toi. J'aime bien aussi Eric Tommy. Johnny Russell, mais plus blessé quand même ces derniers temps, depuis la saison dernière. Donc, à voir. Pour moi, c'est une équipe à la lutte pour les playoffs, mais ce n'est pas des playoffs sûrs pour Kansas. Gaddi Kinda qui est revenu d'une super longue blessure, 1 an je crois de blessure. Ouais. Il a fait du bien parce que du coup maintenant il y a une petite rotation qui s'est installée au milieu, Un non? bon Avec joueur, ouais. Rémy Walter aussi, je crois. Et Radoja C'est aussi, hein. Faut pas oublier Radoja, Radoja oui, voilà. qui fait beaucoup de bien aussi à la récupération, qui a équilibré le milieu. Donc est-ce que le retour de Gaddi Kinda a fait du bien aussi? J'aimerais bien savoir. C'est une question que je voulais vous poser, ça. Bah ouais, t'as rajouté de la qualité dans ton milieu où t'avais les joueurs qu'enchaînés. Ça te laisse du choix et un choix de qualité, donc ouais, totalement. Trop de choix, trop de joueurs moyens. Pas de Ah oui. voilà. Qui c'est que tu mets au milieu de terrain? Galikinda, pour moi, c'est plus un ailier. Tu le mets dans le milieu parce que tu as déjà des ailiers. Tu as des joueurs de devoir avec Kinda qui est plutôt un joueur de ballon. Voilà. C'est un très bon joueur, Kinda. Moi, je l'avais avant qu'il se blesse. Mais je suis pas sûr que ce soit un top joueur en MLS. Très bien. On passe à Montréal, les gars, qui sont donc à première place des playoffs conférence test, avec mon petit Ariel Lassiter. D'ailleurs, les gars, question perso, il y a une concurrence en ce moment entre Lassiter et Lapalainen. Qui va l'emporter? Je croise fort pour que ça soit Lassiter, du coup. Et Moi, je vous. préfère la sitter. Je préfère le style de la sitter à ce poste-là. Il percute bien, quoi. Il percute La pas bien la. et Lapalainen, non? C'est pas les mêmes qualités. C'est pas la même qualité, la planète. Tu Ouais. es un peu plus défensif que la sitter. Et moi, j'ai un joueur à Montréal que j'adore là, depuis quelques temps, c'est Gabriel Corbeau. Je trouve Ouais. vraiment très, 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 très propre depuis quelques matchs. Kamal Miller est parti. Petite dédicace à Emilien. Corbeau est Mine devenu de titulaire rien, à mine de rien, 100% et ouais. depuis ça va beaucoup mieux. Et Inter Miami, ça c'est toujours pareil. Donc, Kamal Miller ou Ce week-end, renvoyez-moi cette fraude. il était suspendu, donc tu n'avais pas de souci à te faire, Emilien. Bah oui, il a pris un rouge l'autre jour complètement en retard. Enfin, Kamal Miller, quoi. Le tracteur, ça arrive. Et vous avez vu la faute de Colorado, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le premier carton rouge qu'il prend, le mec, il a failli le tuer, Non, quoi. je ne l'ai pas vu, faut que je regarde ça Il après. l'a pris là. Ouais. Mais pleine bourre, hein. Ah ouais, Il le prend. ouais. Je la mettrai là, je la mettrai à côté au ralenti comme ça. C'est assez impressionnant. Bon, Montréal, ça playoff, les gars. On est d'accord? Non. Si, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Il Lutte, doit mais faire un non. point. Tu penses que ça tient pas? Je pense qu'ils sont un peu en surchauffe. Pas fan du coach depuis qu'il est passé à Detroit United. Au milieu de terrain, je trouve que ça manque quand même de talent. Brice Duke, je trouve que c'est un bon jeune, mais je suis pas sûr que ça tienne sur le moyen terme. Ils n'ont pas d'argent, ils ne recrutent jamais vraiment Montréal. Ouais. Donc, non, Mais cette ils ont équipe un pour moi, truc. elle est un peu en surchauffe. J'y crois pas trop. Ouais, mais moi je pense qu'ils y vont pour la simple et bonne raison, c'est une équipe qui a fait un seul match nul. Ouais. Et ça veut dire qu'ils gagnent ou ils perdent. Alors que leurs concurrents directs, tu vois, les Red Bulls, c'est 7 nuls et Toronto 10 nuls. En fait, des nuls, tu marques pas de points, vaut mieux perdre un match. Enfin, tu gagnes un match sur 3, t'as mis plus de points que ton équipe en face de toi qui va faire 2 nuls. Et non, pour moi, ils vont s'en sortir, ils sont poussés par leur public, c'est une équipe qui a du cœur et tout. Non, non, moi je pense qu'ils vont y aller. Après, dans des retours, on en parlait aussi. Hein. Tu as Rommel qui va sûrement revenir là cet été. Tu as Mason Toy qui a marqué un doublé, qui revient aussi d'une longue blessure, enfin de multitude de petites blessures là, depuis 2 ans. Donc, s'ils arrivent à faire revenir, il y a Mijević qui va revenir aussi là, dans la semaine à venir. Donc, ils ont du monde aussi qui va revenir. Ça peut les aider. Très bien. On passe les gars à Portland qui va playoff, bien évidemment.
Portland, je pourrais vous en sortir pas mal de joueurs, mais. Je vais te dire oui, hein. Je vais te dire oui, mon Fab. Ouais, j'espère. Ils sont en train, là, ça va mieux. Hein. Ils ont un début de saison catastrophique avec des joueurs fantomatiques. Et là, ça gagne 1-0. Alors, j'ai vu le résumé, je vous avoue. Ça gagne 1-0, mais ça gagne. Donc, ça enchaîne. Bon, c'est pas ouf. Ils ont beaucoup d'occasions. Hein. Martin Paez qui sort un match incroyable pour Dallas. Et Dallas, c'est mal payé pour eux. Hein. Mais oui, c'est une équipe qui va se mettre en place. Ils ont l'infirmerie qui commence à se vider. Je pense qu'ils vont, trouver un rythme de croisière sur l'été. Ça devrait le faire. Tiens, comme ça, les gars, si vous aviez budget no limit, après, je te laisse Thibaut développer sur Portland. Vous prendrez quel joueur là, dans l'effectif aujourd'hui? Evander. Evander aussi? Bah oui. Ah, moi, je prends Imi Chara, carte attaquant. Et j'attends qu'il revienne de blessure. Un joueur blessé. Ouais, bah il y a rien. Quatre semaines, cinq semaines. Non, sinon je prends Moreno. Honnêtement, je prends Moreno. Et je crois que Thibaut, tu l'as du coup en SR. Ouais, je l'ai pris récemment. J'y crois. Et moi, j'ai deux arguments pour Portland en playoff. Premièrement, Portland, c'est toujours une équipe qui est plus forte en fin de championnat qu'en début de championnat, historiquement MLS. Deuxièmement, c'est une équipe qui fait toujours des coups l'été et qui a une bonne série de recrutement. Et je serais pas étonné que tu aies ce petit défenseur sud-américain qui arrive en défense centrale, ce petit attaquant, etc. Donc, je ne suis pas très inquiet pour Portland. Ils sont vraiment à la lutte pour moi, mais ils vont y aller. Et Philippe Moura qui revient. Ça va leur faire du bien aussi. Donc voilà, sur Portland, c'était à peu près tout, les gars. On va passer au 8e de la conférence Est, et après, on va se laisser, parce que sinon, ça va faire une vidéo de 4 heures. On va mettre un petit mot à la fin, mais du coup, DC, forcément, oui, Thibaut. Je te laisse. Moi, je dis pas de playoff, moi, pour DC United. Voilà. Alors, playoff. Ok. C'est bien. Bonne soirée, les gars. Merci à vous. Bonne soirée, salut. Alors, Funtas MVP de la saison. Benteke, meilleur buteur de la saison. Meilleur gardien de la saison, Tyler Miller, je pense. Et ça m'irait très bien. Vous ça t'irait très bien, parce que. Tiens les gars, avant qu'on finira, on fera la fin. Sur DC, moi j'ai pas trop d'avis, je suis assez étonné. Et je vois un Benteke super efficace. Moi aussi, je suis surpris. Non, tu l'avais dit au début de saison, mais tu ne croyais pas. C'est pas tant étonnant que ça, un Benteke. Hein. Il est marqué. C'est un joueur qui a joué en Europe en première ligne. Il a marqué partout où il est passé. C'est plutôt. Ouais, bon, c'est un joueur qui. Et là, ils ont Mateusz Klich. Ah, j'aime bien ce joueur, hein, Klich. Ça, c'est vraiment un bon joueur. Beaucoup, beaucoup de stabilité. Ouais, Tyler Miller, merci à lui ce week-end d'ailleurs. Il nous a bien, bien aidé, Atlanta. Il fait son meilleur match de la saison contre nous. Bon, après, Giacomakis, il va lui ranger quand même parce qu'elle n'est pas évidente à mettre, mais je ne sais pas ce qu'il fait à sortir là-bas. Il s'est dit, tiens, le Mercedes-Benz Stadium, il est sympa, on va aller faire un petit tour là-bas. Franchement, elle est dure à mettre quand même, mais bon. Ah, elle est vraiment belle, hein, celle de Giacomakis. Elle est complètement excentrée comme ça en une. Non, mais bon, non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont aller en playoff d'ici. Hein. Enfin, ils ont une équipe qui est là, ils passent à travers ce week-end, mais je vois Pinès derrière, c'est solide. Ils ont un milieu de terrain qui est quand même costaud. Devant, ça met des buts. Ils ont joué sans Funtas pendant une bonne partie aussi de la saison, là, pour l'instant. Et je pense que c'est une équipe pour la gratter, comme dirait Thibaut. À la lutte, en tout cas. Pour être totalement sincère, je pense qu'ils seront à la lutte. Peut-être qu'ils n'y seront pas, mais ils seront en tout cas à la lutte jusqu'au bout, je pense. Très bien. Pour DC United, non, mais après, je te dis pas playoff pour t'embêter, mais je pense qu'ils iront quand même. Sans trop de problèmes, vu les équipes qu'il y a derrière, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Très bien, les gars. Donc, on va clôturer là. Les meilleures équipes. Les meilleures équipes, voilà. Les 16 meilleures équipes. On garde le meilleur pour la fin. Et pour la semaine prochaine, on revient plus vite que prévu. C'est une annonce de fin de vidéo. Exactement. Petit bug avec Emilien. Je vais juste attendre qu'il revienne. Si c'est OK. Je voulais vous demander quand même. Moi, c'est une misère. Ouais, là, on le sent. Je voulais quand même demander, comme ça, avant qu'on entame les 16 meilleures équipes, votre MVP pour l'instant de la demi-saison. Sur la demi-saison, les gars, je ne vous dis pas celui qui sera l'année. Lucho Acosta ? Ok, tardivement, il s'est mis quand même. Lucho Acosta, ouais. Ok. Et Thibaut, pour toi ? Pour moi, c'était Thiago Almada, mais depuis 5-6 matchs, c'est un trou noir complet. Non, je peux pas te laisser, même si je regarde tous les matchs d'Atlanta. Moi, je pense qu'il y a une chose. Franchement, on en reparlera dans la prochaine. Sur les 10 premiers matchs, je l'avais trouvé
extraordinaire, personnellement. Mais là, depuis... Moi, là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se blesser. C'est dur. J'ai l'impression qu'il ne veut pas se blesser pour pas que ça avorte un transfert éventuel en Europe. J'ai juste cette impression-là. Ouais, c'est bien dommage. Mais Lucho, contraire d'Almada, il a eu du mal à démarrer quand même. Ça n'a pas été ouf, hein, le début de saison. Moi, je mettrais Bouanga toujours. Si, même si Bouanga aussi. J'allais dire Denis Bouanga. Il a un peu de mal depuis quelques matchs, mais il est encore là. Et comme Almada, il va peut-être partir en Europe, mais voilà. Mais un peu comme Almada, il y va tranquille hein, aussi. Hein. Tu sens qu'il est à l'aise techniquement. Le Mercato arrive. Ouais. Mercato va être animé. Hein. C'est vrai que c'est qu'on va avoir des surprises. Hein. Et oui, il y avait des questions quand même, des tweetos. On va juste se faire ça. Et après, on cut la vidéo. On va aller voir ça. Il y avait Propitech qui nous avait posé une question. Pereira, métronome du milieu de terrain. Et ça va rester numéro 10, tu penses ? Vous pensez ? Ce serait bien pour l'équipe. Hein. Pour eux, ils ont intérêt. Le coach d'Orlando est quand même capable de faire des grosses dingueries. Donc, je ne mettrai pas ma main à couper. Ouais. Désolé. Bon, mais nickel. Et une autre question de Laurent Binetti, qu'on salue également chaleureusement. Faut-il s'attendre à beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de se renforcer. C'est ça. Beaucoup d'équipes ont besoin de changement, ouais. Je pense qu'on va avoir pas mal de dingueries côté arrivée. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait beaucoup de panic buy avec des équipes type le Galaxy hein, qui sont un peu au bout du roulage et qui veulent absolument aller en playoff et qui achètent, je sais pas, 7-8 joueurs et qui bazardent tous les autres. Donc, je m'attends à des gros mouvements. Je pense que le Galaxy, ils vont poser sur un attaquant. Et avec Chicharito, au moins, ils n'ont plus que Joe Magic. Hein, donc, ils sont bons. C'est un poste qui coûte cher. Et après, ouais, des équipes comme ça, on sait qu'ils balancent l'argent un peu n'importe comment. Ils sont capables à tout moment de voir avec Chicharito pour rompre le contrat parce que de toute façon, il est en fin de contrat en fin d'année. Et puis d'aller rebalancer Chicharito, c'est 8 millions, ouais, moins, 7 millions aussi. Un peu 6 millions. Ils sont capables d'aller. Ouais, ils sont capables de négocier avec lui, de lui payer à la fin de son contrat et puis d'aller rechercher un mec aussi cher. Quoi. Donc, ouais. Bon, nickel, les gars. Ouais, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci pour. Merci. On finira fin de semaine, du coup, on finit. Donc, ça sortira. On se sortira ce week-end. On pourrait tenter ou quoi là, pour la suite. Ouais. Mais là, on est mercredi normalement quand ça sort, le brunch time. Donc, on vous dit du coup à ce week-end, peut-être le samedi hein, dans l'après-midi ou le dimanche matin, je ne sais pas. On verra. Ça dépend de notre monteur favori, Fab. C'est ça. Bah, ça sera monté rapidement. C'est clair. En tout cas. Merci encore les gars, c'était un gros plaisir de vous retrouver. Et puis dans 2-3 jours alors. Passez une bonne soirée. Ciao les gars. Bonne soirée. Salut. On avait eu le débat avec Thibaut. Austin, j'avais dit Kansa, je vais voir revenir. Toi, tu vas revenir Austin, mais j'attends toujours hein, du coup. Austin sera devant Kansa en fin de saison. Oh. Jamais de la vie, jamais de la vie. On reprendra cet extrait, il faut clipper cet extrait de vidéo.